Ce sont les personnages phares de ce film culte. Ils sont actuellement en promo pour vanter les mérites des Visiteurs 3, la Révolution. Voici Freddy de Soupirail et Macron. Voilà, bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous êtes magnifiques, les garçons. Bonsoir messieurs. Gay. Oui, oui. Tous. C'est ça. Du calme, ma couille. Tiens, baffre donc ce jambonneau dodu. Et ne laisse pas tes sucs moisis dans la carcasse. Nous offrirons les restes à Jean. Oui, mais merci, nous merci. Nous offrirons les restes à Jante, demoiselle Livia. Voilà. Merci, messire, merci. Demoiselle Livia. Jante, dame Livia. Quelle jouissance n'est-il pas que d'être une vieille fille dans un corps de pucelle. C'est de par Dieu. C'est extraordinaire. Tire. Mais où est une grosse bête, là? Silence, ma couille! C'est le sombre seigneur Thierry, le roi du royaume du micro. Il n'a que pour possession que quelques vieux cimetières qu'il compte conquérir afin de pouvoir remplir dans son grimoire morbide le nom des occupants estourbés. Mille pardons, sire, mille pardons, mille pardons. Tiens! Mange ça! Ah, l'idiot! Il s'estourbit, il s'esbaudit fort vite face à une forte populace. Bon, excusez-moi. Merci, monseigneur. Excusez-moi. Il ressemble à quelqu'un, mais pas de ce film-là, mais je sais plus lequel. Alors, mais... C'est Kim Jong-un. Ça, écolo, vous ne connaissez rien, mais la Corée du Nord, alors là. Alors, mais si. Il est de plus en plus surréaliste. C'est hallucinant. Alors, messire de Soupirail, on ne sait plus très bien quel film c'est, donc. Merci. Mais, excusez-moi. Merci. Merci d'être. C'est par ici, pardon. Mais j'aime bien le gros. Merci. Je suis bas de poitrine. Bah alors, mais, merci d'être venu du fond des âges. Oh. Hein? Ma couille, moi, ceci me rend perplexe. Cependant que je m'adresse au roi, c'est son bouffon qui m'en répond. Voilà. Oh, messire de la barbe de trois jours, seigneur d'un gars et d'un chef, messire Georges Clounet de Rix Central. Séant, faites rendre gorge à ce ridicule bouffon à la tête glabre, zou. En fait, c'est lui le chef ici. Eh oui. Comment? Ah. Oui, je l'ai fait forger à Coqueril, bon. Ma couille. Oui, mais si. La prophétie s'est réalisée. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Oh, ben, attendez. Oh, les fripouilles. Oui, les fripouilles. Mais écoutez. Pouah, pouah, oui. Pouah, les fripouilles. Bon, en tout cas... Je n'ai jamais pu comprendre comment on puisse prendre la tête de quoi que ce soit quand on a la sienne aussi peu disgracieuse. C'est très gentil, merci. En tout cas, excusez-nous. Non, alors, je voudrais quand même, pardon, vous souhaiter bienvenue sur la 2. Ah, merci. Les gueules. La 2. Pardonnez ma stupéfaction, mais c'est la première fois que nous faisons connaissance. Il était quand même mieux en Eddy Merckx, hein, donc ici, en Belgique, excusez-moi, avec des gens qui viennent du passé. Hein? Des gens qui... Parce que bon, vous venez du passé, mais c'est la première fois que ça se passe. Diablerie! Ah, ah bon? Non, nous vous avons envoyé, il y a quelque temps déjà, Monseigneur Léonard. Ah bah oui. Oui, il est venu en car, Léonard. C'est silence! C'est ça. Okay. Mais tais-toi! Tais-toi, oh, bourse molle! Ou je te fais le lejon! Comme au bailli du Limousin. Mais, Seigneur, oui. Si toutefois tu es bien le Seigneur, qui est donc alors à tes côtés, ton valet de pied, ce
pitois grisonnant. Écoutez, yes. Écoutez, c'est effectivement un pitois grisonnant, mais je voudrais quand même vous présenter Jean-David de la Motte. Oui. Oui. C'est le relouqueur Esbignon. Oui, ah, oui. Très bien. Ça veut-tu dire que ce manant peut faire quelque chose pour ma pistule et mes pissoiements? Non, non, évidemment. Non, mais, il est relouqueur, pas enchanteur. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un téléphone. Le câble va vite. Hein? Ça vibre. Ça vibre. Hé, hey, ma couille. Que t'arrive-t-il, ma couille? Mais ça vibre. Mais quel est ce sortilège? C'est un appareil que j'ai piqué dans le manteau de l'homme à la tête de Topinambour. Oh, comment? Quoi? Mon smartphone. C'est mon smartphone. Votre quoi? Qu'est-ce que c'est que cet objet inutile? Mon smartphone. Bon, parce que tu ne l'as pas, bien sûr. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai retiré dans la main. Oh, Pietro, le grand que vous faites. C'est pas grave, on continue, on continue. Je vais mourir. Toi, on va en mettre. L'accessoiriste, il est viré, et toi aussi. Bon, alors. Allez. Bon, c'était alors. Pourtant pas compliqué. Et ça servait à quoi, ça, alors? Vous deviez envoyer un message. Une missive. Oui. Le message que j'aurais envoyé aurait été le suivant. Oui. Dis-moi, comment procéder pour troussailler Damoiselle Livia? Pour troussailler, il faut rentrer avec moi après l'émission. Tu pourras la... Ne laissez pas parler ce gardement. Dis-le-moi prestement, parce que sinon, tu vas avoir affaire à mon gourdin. Non. Bon. Il suffit. Avec grand plaisir. Où sont les poulards de Geoffroy? Où sont les veaux? Même si j'en vois quelques-uns derrière moi. De la télé. Salut, monsieur Eddie Barclay. Non, mais je ne suis pas Eddie Barclay. Alors, ça va, mon mignon? Ça va, tiens, mon mignon? Allez, suffit. Oh, stop. Ventre plein. Au revoir, marron. Adieu. Merci beaucoup. Et toi, couille molle, avance donc ligne devant. Bien, maître. Dépêche-toi. Mais, mettez la pistolet. Mais, c'est toi.